Amis téléspectateurs Haïti Foot TV, nous toujours avec la sélection des moins de 15 ans. Après nous finir parler avec capitaine équipe là, président fédération qui déplacé avec monsieur yo. Nous connaissons d'où elle a parlé avec moun et comme si c'est lui même qui parle avant et pas qui parle avec elle tellement il peut parler. Alors kounya nous gien ensemble avec nous là Gabriel Michel Ditigana qui c'est entraîneur sélection des moins de 15 ans. Haïti Foot TV Abdou, bonsoir Tigana. Bonsoir, bonsoir, bonsoir monsieur Pamio, zami Pamio, Haïti Foot TV nous dans là. Et nous bien content et Haïti Foot TV fait déplacement pour nous regarder et qui ça qui a passé au niveau sélection U15 ans et nous très apprécié ça tout et nous là pour nous parler avec Haïti Foot TV. Et on va qui passer dans tête moi là, gagne des séries de joueurs qu'on remezim ou pas sous pression pour première gros compétition internationale. Bon, et c'est avec U15 et m'a rappelé et tout et téléspectateurs ça. Nous avons déjà participé avec Aigle Noir dans CONCACAF et nous avons joué avec eux. Et ça, c'est la deuxième compétition internationale. En tant qu'entraîneur? Oui. Yeah. Tigana, bon courir bien vidéo. Équipe ça, vous pouvez jouer avec eux là, Costa Rica, Nicaragua, Saint-Domingue. Ou pas avez une idée de eux même? Bon, équipe nous avons une idée de eux, c'est l'équipe Saint-Domingue parce que nous avons un tournoi dernièrement avant de venir aux États-Unis. Nous avons fait 3 matchs avec eux. Bon, 3 matchs qui n'ont pas de niveau pour nous. Et nous avons joué partition par nous et nous avons fini gros score avec eux. Et je crois que dans la compétition, l'équipe nous joue qui c'est Nicaragua, c'est presque le même football, l'école football de l'UOA, c'est le même bagaille là, tout le monde dormit ensemble, on mange ensemble et on joue ensemble tout. Et c'est une des gros bagailles que nous avons gagné là tout, c'est Nicaragua. Et nous pouvons connaître, comme on a dit ça, et pas Curaçao non? Nous pouvons connaître Curaçao, mais sauf que nous-mêmes nous préparons davantage pour nous capables de faire un bon football et remporter le match que nous avons joué. Lanti parle, nous avons parlé, nous avons dit que dans les 2 dernières semaines, nous avons été obligés de faire messieurs à l'entraîner sous terrain naturel parce que c'est sous synthétique. Comment on t'a vu? Bon, nous avons un projet pour nous aller en Wanamet. Il n'est pas arrivé fait, mais nous avons joué un bagage qui est tout près de la nous, qui s'est été comme il faut. C'est même terrain ça. Bon, monsieur, le premier jour, il arrivé, il a eu des difficultés. Mais le deuxième jour, il a adapté. Et par la suite, il a compris qui ça a le gaz naturel. Et il a expliqué ça tout. C'est dans le même contexte que nous pouvons jouer. C'est dans le même terrain que nous pouvons jouer. Il est obligé de faire effort maximum. Parce que le capitaine, le ballon roulé en jean souli. Et le gaz artificiel et naturel, le ballon roulé en jean souli. Alors, bien rapide, ou travaillez plusieurs systèmes déjà avec eux ou bien sont on seul ou gain? Bon, nous gain 2 systèmes que nous travaillons avec eux. Nous travaillons un système en 4-3-3, nous travaillons un système 4-2-3-1. Et ça veut dire nous prêts, tant qu'on a dans match pour nous capables de varier le système. C'est ça, parce que l'organe équipe là, ça va dépendre des adversaires qui devront comment on est capable de varier le système là. Et pas plus gros compétition en tant qu'entraîneur qui a participé bien côté Zimé avec Aigle Noir. Mais Jean ou gagne 40 équipes là ou bien 39 équipes qui gagnent la compétition là. Et comment est-ce qu'on est excité pour jouer? Bon, c'est un plaisir parce que Martin a regardé l'équipe qui a joué avant nous. Nous avons des bagailles qui t'a fait côté que nous n'avons pas de patience pour nous capables de jouer match par nous. Et nous avons un peu de talent. Et sauf que nous croyons dans monsieur Panou, nous croyons dans l'équipe Panou. Et nous faisons pile match amicotou et la Kaino et nous jouons avec équipe qui pas dans l'âge nous tout. C'est ça qui prend la différence force nous avec l'autre yo. Et nous faisons pile effort pour nous gagner une très bonne équipe tout pour nous capable évaluer yo et dans la compétition et le tap jouer la Kaino tout. Et équipe ça yo, 2 équipes nous, l'autre 3 équipes yo qui dans pour nous. Est-ce qu'on a gagné une équipe sur Kabwa avant nous jouer parce que demain c'est venu à boire à 9h. Bon, nous avons joué à 9h, c'est le premier match. Hein, et je crois que si on a l'autre match après, nous sommes capables de jouer. Parce que c'est 9h, 11h. Ça veut dire, si nous avons joué à 9h, nous avons le temps pour nous capables de jouer. Il y a quelques minutes dans l'autre match que nous avons joué après. En tous les cas, où qu'on est, côté nous, là, c'est côté nous, il y a pile de monde, pile tout le monde, toute délégation est venue manger. Ça fait nous plaisir de répondre à une question. Nous, où qu'on est, même si on est dans Kailao et pour Kailao. Haïti Foot TV, merci au Gabriel Michel Ditigana. C'est Met Haïti Foot TV à Felbran. Alias Gabouel, parce que nous-mêmes, nous avons c'est Gabouel, nous avons le Tigana. C'est un plaisir que nous sommes ensemble avec tout Haïti Foot TV, tout joueur football qui sous groupe là, et Haïti Foot TV entièrement, nous avons nous prétendons un résultat dans le monde et nous prétendons un résultat positif. Mais si le ville négatif, nous pas bien problème parce que c'est travail, mais nous croyons que nous avons un résultat
positif. Nous vous remercions le fait que vous avez répondu à la question de Tigana. Merci monsieur du fait que nous faisons des déplacements. Nous venons nous interviewer ça. Nous venons voir comment l'ambiance est et tout. Et nous saluons tout le monde Haïti Foot TV, tout joueur football, tout ancien joueur football qui t'a supporté nous, qui parle aujourd'hui, qui espérait que nous fassions une victoire, qui espérait que nous bayons une prestation qui est agréable. Et nous disons que nous travaillons pour eux et nous faisons effort pour l'équipe là capable de faire que tout le monde soit content dans Haïti Foot TV. Merci en pile Haïti Foot TV, c'est Tigana. Si c'est entraîneur principal la sélection nationale moins de 20 ans qui vient pardon la moins de 15 ans qui vient participer dans Gold Cup deuxième édition moins de 15 ans on bon bagaille konn kaka faire là et nous président fédération monsieur te prend un petit temps pour te capable expliquer nous ça et vraiment ou te enjoy avec tout monsieur yo capitaine équipe là président fédération avec Gabriel Michel Tigana équipe solide là t'es là qui c'est Papa Sad Choubi ensemble avec Claudie Donatien, moi-même qui a parlé à la, nous t'es là, nous t'es représenté tout Haïti Foot TV net, tout monsieur. Alors, nous avons croisé encore, une autre fois encore, nous ne connaissons pas avant la compétition finie, si nous avons été en vini, si nous avons été là, pour nous capables de reprendre Haïti, cap jouer. Mais ça fait nous plaisir en pile, restez branchés, ciao.